Ne soit pas public. Voilà une bonne parole. Pardon. Bordel de merde. Ça peut tu vois, si je suis en retard, c'est de la faute de ton costume. On peut dire au moins que, en tout cas, que t'es pas en avance. Oh, je réalise brusquement. Alors, regarde. Pour l'instant, t'es en retard parce que t'es en retard. Mon costume est un des événements qui arrive tous les soirs avant le spectacle. Et qu'est-ce que je veux dire? Essaye d'être un peu plus énergique dans la paysanne que cette espèce de souris absurde. Merci. Ah, bah oui, évidemment, tu fais ça. Je ne vais pas perdre mon temps, vous avez vu que je n'ai pas gardé ni rien, je suis restée dans le biémo. Mais là, c'est pour les terres, c'est pas des bugs.
retourner voir. Oh non, calme, calme. C'est... Bon, j'apprends à regarder. Appelle le putain, un moteur matin. Et la tête de règle. J'ai jamais vu un chien avoir un regard aussi idiot que celui-là. Mizou, il était pas mal quand même. Hein, oui, Mizou, était déjà pas mal, mais ça, c'est encore plus fort. Je crois que c'est ça qui fait le plus grand charme des chiens, c'est la bêtise de leur regard. C'est ce que je préfère. Ça me rassure. Ah. J'ai attelé le semi remorque. Moi, je peux pas. Les Jeux Olympiques et culinaires, gastronomie. Ah non, merci. Ah, ce serait bien. Bonjour, je t'en sors là. Ah, tu l'as fait pour le bien. Ouais. Alors finalement, j'ai acheté une sauce, mais j'ai fait quand même des sauces à moi, parce que ça m'a fait partie. Saffron's not about me. Écoute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac.
c'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Si bien donc, cher Gusman, que de l'Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous, et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là. Je ne dis pas qu'il ait changé de sentiment pour donner le dire, je n'ai point de certitude encore. Mais par précaution, je t'apprends une terre noce, que tu vois en donjon mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Quoi? Je veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend. Qu'on renonce au monde pour lui, qu'on n'ait plus Dieu pour personne. La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse, à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non. La constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontrées la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit, partout où je la trouve. Et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Me ferez-vous la grâce, en jurant de vouloir bien me reconnaître, et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Thank you.
bien qui est. Charlotte, je m'en vas te conter tout feindré comme cela est venu. Car comme dit l'autre, je l'aisais le premier à viser. Viser le premier, je l'aisais. Enfin donc, gestion sur le bord de la mer, moi et le gros Lucas. Et je nous amusions à batifoler avec des mottes de tard que je nous gestions à la tête. Car comme tu sais bien, le gros Lucas aime à batifoler. Et moi, parfois, je batifole et tout. Vas-tu pas dire, Pierrot, qu'il y en a un qui est bien plus bien fait que les autres? Oui, c'est le maître. Pierrot, est-ce là, monsieur? Oui, le voilà. Oh mon Dieu, qu'il est gentil, c'est que ça aurait été dommage qu'il ait été émaillé. Je reviens tout à l'heure. Je m'en vais boire Chopin pour me rebouter tant soit peu de la fatigue que j'ai eue. Mariée sans doute. Ah, ah. Mais je vais bientôt l'être avec Pierrot, le fils de la valise Simonette. Oh, je vais t'en ah, tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Bon, allez, tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Ah, que je vois un peu vos dents, je vous prie. Voyez-vous, monsieur, n'a pas plaisir à se laisser abuser. Je suis une pauvre paysanne et j'ai la mère en commandation. Mais j'aimerais mieux me voir mal que de me voir déshonorée. Lorsque vous me croirez, vous me rendrez justice, assurément. Je vous réitère encore la promesse que je vous ai faite. Ne l'acceptez-vous pas. Ne voulez-vous pas consentir à être ma femme.
bien de votre part. Mais au moins, monsieur, ne m'allez pas tromper, je vous prie. J'aurai de la confiance à vous. Et vous voyez comme j'y vais à la bonne foi. Comment? Il semble que vous doutiez encore de ma sincérité. Non. Voulez-vous que je fasse des serments épouvantables? Non. Que le ciel... Mais je n'ai point, je vous crois. Donnez-moi donc un petit baiser pour gage de votre parole. Oh, monsieur, attendez, soyons mariés, je vous prie. Après ça, je vous baiserai sans vous douter. Eh bien, belle Charlotte, je veux tout ce que vous voulez. Abandonnez-moi seulement votre main. Et souffrez que par mille baisers, je lui exprime le ravissement d'où je suis. Et qu'il... Tout doucement, monsieur. Tenez-vous, je vous prie. Vous vous échauffez trop. Vous pourriez gagner la purésie. Je vous dis que vous vous teignez et que vous ne caressiez point nos accordilles. Ah. Et j'ai mieux de voir crever que de voir un autre. Mais mon Dieu, ne te mets point en peine. Si, madame, je te ferai gagner quelque chose. Si tu portes du beurre et du fromage chez nous. Monsieur, laissez-la ce pauvre misérable. J'ai conscience de le battre. Écoute, mon bon garçon. Retire-toi et ne lui dis rien. Mais je vais y dire, moi. Ah ouais, je vous apprendrai. Bête, sois du maroufle. Ah, te voilà payé de ta charité. Bouchonni, je m'en vais dire à sa tante de tout ce ménage. Est-ce que chacune de vous ne sait pas ce qu'il en est? Sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage. Pourquoi m'obliger là-dessus à Déroïte, celle à qui j'ai promis effectivement? N'a-t-elle pas en elle-même de quoi se moquer des discours de l'autre? Et doit-elle se mettre en peine pourvu que j'accomplisse ma promesse? Tous les discours n'avancent pas les choses. Il faut faire et non pas dire, et les effets des yeux de vue, que les paroles aussi ne soient pas que je ne vous mette en accord et non pas que vous arrivez à la gagner de la fortune. Laissez-lui croire ce qu'elle voudra. Laissez-la se flatter dans son imagination. Je vous adore. Je suis tout à vous. Mes visages sont l'air auprès du vôtre. On ne peut plus offrir les autres entre vous à bouche. J'ai un petit ordre à donner. Je viens vous retrouver dans un quart d'heure. Comme la partie n'est pas égale, il faut user de stratagèmes et éluder adroitement le malheur qui me cherche. Je veux que Ganarelle se revête de mes habits et moi. Monsieur, vous vous moquez, m'exposez à être tué sous mon habit. Alors, c'est trop d'honneur que je vous fais. Eh bien, heureux le valet qui peut avoir la gloire de mourir pour son maître. Je vous remercie d'un tel honneur. Au ciel, puisqu'il s'agit de mort, fais-moi la grâce de n'être point pris pour un autre. Mourez! Mais
savez-vous, monsieur, que cet habit me met déjà en considération? Moi, 5 ou 6 paysans et paysannes, en me voyant passer, me sont venus demander mon avis sur différentes maladies. Tu leur as répondu que tu n'y entendais rien? Moi? Point du tout! J'ai voulu soutenir l'honneur de mon habit. J'ai raison de nez sur le mal et leurs effets des ordonnes de l'angle s'attaquent. Quel remède encore leur as-tu ordonné? Ma foi, monsieur, j'en ai pris partout, j'en ai tout attrapé. J'ai fait mes ordonnances à l'aventure. Et ce serait une chose plaisante si les malades guérissaient et qu'on m'en vint remercier. Et pourquoi non? Par quelle raison n'aurais-tu pas les mêmes privilèges qu'ont tous les autres médecins? Comment, monsieur? Vous êtes aussi un pire en médecine. Appelle un peu cet homme que voilà là-haut pour lui demander le chemin. Enseigne-nous un peu le chemin qui mène à la ville. Vous n'avez qu'à suivre cette route, messieurs. Mais détournez à main droite quand vous serez au bout de la forêt. Mais je vous donne avis d'être sur vos gardes. Depuis quelque temps, il y a des voleurs ici autour. Mais je te suis bien obligé, mon ami. Je te rends grâce de tout mon cœur. Ah, je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer. Mais jure donc. Non. Non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim. Va, va. Je te le donne. Pour l'amour de l'humanité. Mais que vois-je là? Un homme attaqué par 3 autres. Inutile. Je suis ami de Don Jean, je ne puis pas. Je ne puis pas m'en empêcher, mais. Il n'est pas responsable qu'il offense impunément des gentilshommes. Je m'engage à vous faire faire raison par lui. Mais quelle raison peut-on faire à cette sorte d'injure? Toute celle que votre honneur peut souhaiter. Et sans vous donner la peine de chercher Don Jean davantage, je m'oblige à le faire retrouver au lieu que vous voudrez et quand il vous plaira. Eh oui, je suis Don Jean moi-même. Mais l'avantage du nombre ne m'obligera pas à vouloir déguiser mon nom. Alors, prêtre, il faut que tu périsses. Arrêtez, mon frère. Je suis redevable de la. Sans notre cours de ton bras, je suis tué par des voleurs que j'ai trouvés. Mais voulez-vous que je prenne en prêtre contre Don Jean? Une balade qui n'est rien d'apparousse et qui se porte aux choses. Une pure délibération de notre raison. Et non pas à la. Je ne veux pas, mon frère, demeurer redevable à mon ennemi pour la vie. Et je lui ai une obligation. Donc il faut que je m'acquitte avant toute chose. Autrement, on pourrait être différent. Non, ce n'est pas moi avec la tente.
Je m'apprends de la montagne. Cette occasion d'avoir pu le prendre la fera apparaître plus juste aux yeux de tout le monde. Si je fais une faute, je saurai bien la réparer. Je me charge ici de tout le soir de notre honneur. Je veux avoir une brebis. Aujourd'hui, un jour, comme en reconnaissant plus de monde, je ferai contre-monter l'art engagé de la satisfaire. Aïe! Quel est ce superbe édifice que je vois entre ses arbres? C'est le tombeau que le commandeur faisait faire lorsque vous le tuâtes. Allons, entrons dedans. Dites-vous, monsieur. On ne peut aller voir plus loin l'ambition d'un homme mort. Ce que je trouve admirable, c'est qu'un homme qui, durant toute sa vie, s'est passé d'une assez simple demeure, en veuille avoir une si magnifique pour quand il n'en a plus que faire. Voici la statue du commandeur. Le voilà bon, avec son habit d'empereur romain. Ma foi, monsieur, voilà qui est bien fait. Il semble qu'il est en vie et qu'il semble à parler. Il jette des regards sur nous qui me feraient peur si j'étais tout seul. Je pense qu'il ne prend pas plaisir de nous voir. Demande-lui s'il veut venir souper avec moi. Mais vous moquez-vous ? Ce serait d'être fou que d'aller parler à une statue. Mais ce que je te dis. Faire l'honneur de venir souper avec lui. La statue! Eh bien, que veux-tu dire, traître? Je vous dis que la statue! Eh bien, la statue, je t'assomme si tu ne parles! La statue m'a fait signe! La peste, le coquin! Elle m'a fait signe, vous dis-je! Il n'est rien de plus vrai! Allez-vous en lui parler vous-même, peut-être, pour voir! Peut-être, vous-même, la statue! Peut-être, vous-même, la statue! Peut-être, la statue, vous-même, peut-être! Viens, Marot! Viens! Je te veux bien faire toucher au doigt ta poltronnerie! En garde! Le seigneur commandeur voudrait-il venir souper avec moi? Eh! Le seigneur commandeur!
Admirable, des lèvres fraîches, un teint vermeil et des yeux vifs. Je voudrais bien. Alors, comment vous m'honorez trop, messieurs? Il n'y a rien que je ne fisse pour vous. Vous avez trop de bonté pour moi. Et cela sans intérêt, je vous prie de le croire. Il faut que je m'en retourne tout à l'heure. Allons vite un flambeau pour conduire Madame Dimanche et que quatre ou cinq de mes gens prennent des mousquetons pour l'escorter. Il n'est pas nécessaire, monsieur, je m'en irai bien tout à seul. Comment mais... je veux qu'on vous escorte? Je m'intéresse trop à votre personne. Je suis votre serviteur, de plus votre débiteur. Ah, messieurs. Et c'est une chose que je ne cache pas. Il est vrai. Il me fait tant de civilité et tant de compliments que je ne saurais jamais lui demander de l'argent. Monsieur, voici mon seigneur, votre père. Me voici bien. Il me fallait cette visite pour me faire enrager. Si vous êtes là de me voir, je suis bien là aussi, dans mon département. J'ai souhaité un fils avec des transports incroyables. Fatiguant le ciel de mes voeux et les
gloire d'être sorti d'un sang noble lorsque nous vivons dans l'infâme. Non! Non! La naissance n'est rien, ou la vertu n'est pas. Aussi, nous n'avons pas la gloire de nos ancêtres. Descendez en bas, les aïeux, quand vous êtes nés! Je ne suis plus le même d'hier au soir. Et le ciel, tout d'un coup, a fait en moi un changement qui va surprendre tout le monde. Il a touché mon âme et dessiné mes yeux. Pour moi, demandez tout de ce pas. Portez le rêve nouvel à votre mère. Et rendre grâce au ciel ces cinq résolutions qu'il a déni vous inspirer. Converti. Il y a longtemps que j'attendais cela, et voilà grâce au ciel tous mes souhaits accomplis. La paix te le venait. Mais comment le venait ? Toi, tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire. Tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur ? Quoi ? Ce n'est pas vous le votre. Il n'y a rien que je vous portez votre esprit à vouloir prendre à cette voie et vous voir publiquement confirmer à ma peur le nom de votre part. Là, je voudrais bien de tout mon cœur vous donner la satisfaction que vous souhaitez. Tous les dérèglements criminels m'apportaient le feu d'une aveugle jeunesse. Si je veux en comprendre ce que moi, ce que je dis, la compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder avec des louables profits que le ciel vous inspire. Hélas, point du tout, c'est un destin que votre sœur elle-même a pris. Elle a résolu sa retraite. Nous avons été touchés, tous deux en même temps. La retraite ne peut nous satisfaire. Oh, monsieur ! Quel diable de style prenez-vous là ? Que si j'aime plus que le reste ? Et je vous aimerais bien mieux encore comme vous étiez auparavant. J'espérais toujours de votre salut. Mais c'est maintenant que j'en désespère. Et je crois que le ciel qui vous a souffert jusque d'ici ne souffrira pas du tout de ces dernières horreurs. Enfin, le ciel n'est pas si exact que tu penses. C'est toutefois que les hommes... Ah, monsieur ! C'est le ciel qui vous parle, et c'est un avis qu'il vous donne. Oh, oh, oh.
que songe un feu invisible. Me brûle, je n'en puis plus, et tout mon corps devient un brasier ardent. Waouh! Françoise Jamais, qui joue Gusman, Don Alonso, Mathurine et Madame Dimanche. Jonathan Sutton, qui joue Don Carlos et Don Louis. Jean-Claude Bourbeau, qui joue Pierrot, Francisque le Pauvre et la statue du commandeur. Maxime Lombard, qui joue Sganarelle. Philippe Cobert, qui joue Don Juan. Et Clémence Massard, qui joue Elvire et Charlotte. Le film de ce spectacle, mis en scène par Philippe Cobert, régie par Nicole Félix
Antonio Ferreira et Sylvie Lebrun, dans des décors de Guy-Claude François, des costumes de Françoise Tournafond et des éclairages de Jean-Noël Cordier, a été réalisé par Jacques Pibarot. Créé en décembre 1977 à la cartoucherie de Vincennes, c'était un spectacle du Théâtre du Soleil.